Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec. L'échec est effectivement retentissant. Après 20 heures de négociations, dont une nuit blanche, aucun accord sur le nom de ceux qui occuperont les postes clés en Europe durant les 5 prochaines années. Emmanuel Macron regrette les divisions politiques et les ambitions personnelles qui, selon lui, conduisent l'Europe dans une impasse. Les mots du président sont alors sans ambiguïté. Je pense que c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe. Donc personne ne peut être satisfait de ce qui vient de se passer durant tant d'heures. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Agacé, Emmanuel Macron évoque déjà une réforme du mode de gouvernance de l'Union européenne. Une manière pour lui de mettre la pression sur ses homologues. On ne peut pas discuter avec les dirigeants du monde, avoir un monde de plus en plus violent sur les sujets géopolitiques, sur les sujets climatiques, et nous être un club de 28 qui se réunit sans jamais se décider. Soyons sérieux. Et nos concitoyens le voient. Donc c'est à nous de bouger. Dès ce mardi à 11h, un nouveau Conseil européen va donc se réunir au moment même où le Parlement, élu le 26 mai dernier, siégera pour la première fois, sans connaître donc les noms de ceux qui occuperont les postes clés.